Insupportable ainsi, ça mes pensées sont figées. Comme bloqué à l'intérieur de moi-même, je ne peux avancer. Je suis l'homme affamé dans une vie déserte qui continue de chercher, même s'il court à sa perte. L'eau se fait rare, je ne peux m'abreuver. J'essaie de sortir de mes rêves, de pouvoir me relever. Une terreur nocturne ne cesse de me hanter. Ou peut-être que je dors juste devant la télé. La ligne de Sky est terminée, la descente ne serait tardée. Il me reste un cacheton dans ce petit sachet. Je le mets dans ma bière afin de l'ingérer. L'effet est immédiat, je me sens replongé. Et c'est peut-être trop fort, je viens de dégueuler. À la bonne porte. C'est ce qu'il y a dans l'extase ? Moi non plus. En tout cas, ça s'appelle la pilule du bonheur. Enfin, surtout pour moi, hein. Parce que pour toi, ça sera plutôt la pilule de la gerbe. La pilule de la tête dans le caniveau. La pilule de l'arrêt cardiaque. La pilule de l'arrêt cardiaque, c'est bon ça ? Voilà, ton arrêt cardiaque. Quelle couleur? Une alarme de pompiers se met à résonner. J'entends ma mère qui pleure et mon père me gifle. Je n'arrive plus à répondre, je n'arrive plus à bouger. Cette drogue était trop forte et mes pupilles trop dilatées. Mon âme sort de mon corps et se met à flotter. Je me vois dans une œil extérieur, je vous dis pas l'effet que ça fait. Quelqu'un sonne à la porte qui se nomme monsieur le pompier. Me planter de seringue d'adrénaline qui me fait chuter. Je reprends connaissance, reviens à la réalité. Je respire de nouveau, j'essaye de me relever. Mon corps est affaibli et mes jambes paralysées. Ça fait 10 minutes que mon cerveau n'est plus irrigué. Je finirai ma vie dans un fauteuil sans pouvoir parler. Voilà mon overdose qui a failli me tuer.